Bonjour à tous, je crois que nous sommes en ligne. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être ici présents. Je voulais également remercier les élèves de terminale de deux lycées qui sont en ligne avec nous, le lycée Étienne d'Orf de Nantes et Notre-Dame de la Merci à Montpellier. Donc, merci à vous tous. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui à 14h, donc dans le cadre du printemps de l'économie, sur les sujets de l'industrie et de la transition écologique, le thème exact de la session et ville productive, levier de transition écologique. Alors, juste pourquoi ce sujet? Il se trouve que l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts est partenaire du printemps de l'économie depuis un certain nombre d'années. Donc, nous en sommes ravis. Nous sommes ravis, effectivement, de contribuer à cet événement de débats à destination notamment des étudiants et des lycéens sur l'actualité, les enjeux donc, économiques. Et parmi ces enjeux économiques d'actualité, nous avons les questions à la fois d'industrie et de transition écologique. Et c'est pour cela que nous avons choisi de les mêler, de les traiter dans une seule session. Ces sujets sont à l'ordre du jour stratégique de la Caisse des dépôts, qui est un acteur financier qui a un rôle important dans les territoires et qui est notamment associé à un certain nombre de programmes comme Territoires d'industrie ou bien sûr qui est très engagé sur le financement de la transition écologique. Donc le débat va bien sûr aussi nous éclairer, Caisse des dépôts, sur ces questions. Alors nous avons invité deux intervenants que nous apprécions beaucoup. Nadine Levrato, donc directeur de recherche au CNRS et co-directrice de la chaire Vite, Ville, Industrie et Transition écologique. Donc on est au cœur des travaux de la chaire Vite dans cette session. Et Philippe Mutrici, donc directeur des études de BPI France, qui regarde aussi, qui scrute dans le détail ce qui se passe au niveau des PME et des ETI, c'est-à-dire les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et donc voir comment elles évoluent, quelles sont leurs adaptations, quelles sont leurs stratégies dans les contextes qui sont les nôtres aujourd'hui de réindustrialisation et de transition écologique. Mais on va justement entrer dans le vif du sujet. Je vais proposer en fait d'animer cette session avec trois temps, trois questions. Peut-être que je prendrai un petit peu de temps après chaque question et chaque développement des intervenants pour prendre des réactions de la salle s'il y en a. Et puis on verra à la fin aussi, on pourra reprendre un petit débat sur ces enjeux. Et donc on va commencer avec un premier temps de questions sur les enjeux d'industrie. Donc à la fois sur les questions de réindustrialisation, ce qui est un peu différent de la relocalisation, donc ça on va en discuter, mais également sur ce qu'on appelle l'industrie verte. Donc là on va vraiment s'interroger sur les questions d'industrie. Alors je vais commencer avec Philippe Mutrici. Donc Philippe, vous êtes donc à BPI France à regarder et être acteur en fait de ces enjeux de réindustrialisation. Donc qu'est-ce qu'on entend par là et quels sont les derniers développements en France sur la réindustrialisation? Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis directeur des études à BPI France. BPI France, est-ce que vous connaissez tous, peut-être pas, c'est une banque publique d'investissement dont la mission est de financer les entreprises et le développement des entreprises. Il y a beaucoup de métiers, ce sera un peu trop compliqué à développer, mais vous pouvez financer des entreprises soit en leur faisant des crédits, soit en garantissant les crédits que font les banques privées, soit en mettant du capital dans l'entreprise. Donc ça, c'est BPI France. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Dites-vous qu'en une année, on finance à peu près pour 50 milliards d'euros, même un peu plus. On est à 55 milliards d'euros l'année dernière pour à peu près 70 000 entreprises. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Pour l'essentiel, ce sont des PME. PME, là aussi, vous savez ce que c'est des entreprises qui ont entre 10 et 250 salariés. Il y a des critères de chiffre d'affaires, je vais me faire reprendre par Nadine peut-être, les critères de taille de bilan, c'est trop compliqué, mais le critère d'effectif, si vous avez une entreprise qui est entre 10 et 250 salariés, c'est une PME. Si elle est entre 250 salariés et 5000, ça va être une entreprise de taille intermédiaire. En dessous, c'est les toutes petites entreprises, ou les micro-entreprises, et au-dessus, c'est les grandes entreprises. Donc ça, c'est pour BPI France. Alors l'industrie, toujours, pardon, moi je vais peut-être vous noyer de chiffres. Est-ce que vous avez une idée de la part de l'industrie en France aujourd'hui? Si on prend l'industrie manufacturière, c'est à peu près 10% du PIB. Et l'ambition, qui est une ambition portée par BPI France, mais pas seulement, qui est une ambition récente, pendant longtemps l'industrie,
ça ne faisait pas l'unanimité. Je reviendrai juste après. Et donc l'ambition qu'on a mise dans le débat et qui commence à être prise par beaucoup de gens, c'est de passer de 10 à 12. 10% du PIB à 12% du PIB. D'ici 2030, ça représente à peu près une augmentation de la production industrielle de 40% si le reste de l'économie continue de vivre sa vie normalement, c'est-à-dire sans récession majeure ou sans hypercroissance. Alors la première question que vous allez vous poser, et c'est pour ça qu'on a mélangé les deux sujets à la table ronde, et Nadine va en parler mieux que moi, c'est qu'évidemment, on ne peut pas réindustrialiser en polluant plus. Donc il faut que ce soit une industrie qu'on appelle décarbonée de façon native, donc une industrie propre, qui va fonctionner donc très différemment des anciennes industries pour arriver à cet objectif. Il est hors de question que la nouvelle industrie soit aussi polluante, ou même la moitié de la polluante de l'ancienne, il faut qu'elle ne soit pas polluante du tout. Alors là, je vais introduire deux autres concepts, mais je ne vais pas être trop long, et après je passe la parole à Nadine. Les deux autres concepts, c'est Isabelle qui les a lancés, c'est relocalisation et délocalisation. Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde l'histoire industrielle de la France depuis 1990, c'est pas si vieux, vous n'étiez pas nés pour la plupart, mais bon, c'était quand même il y a juste 30 ans, la part de l'industrie en France était beaucoup plus importante. Donc on a perdu des industries, elles ont fermé, et il y a eu notamment un mouvement qu'on a appelé la délocalisation, qui fait que beaucoup de productions industrielles sont parties dans des pays hors Europe, ça peut être de l'autre côté de la Méditerranée, mais le plus souvent, c'est dans l'usine du monde qu'est devenue la Chine. Donc cette délocalisation des activités a fait que la production industrielle faite en France a beaucoup baissé depuis 1990 et donc les emplois industriels évidemment ont régressé et ce sont des emplois qui sont plutôt mieux rémunérés et donc vous avez peut-être aussi une partie de pouvoir d'achat ou d'effet d'entraînement parce que quand vous avez une industrie, elle va faire travailler tout un écosystème autour, des sous-traitants, des fournisseurs, d'autres activités de service par exemple et donc c'est tout cet appauvrissement qui est engendré par la disparition de l'industrie et c'est pour ça qu'il est nécessaire de la faire remonter après l'avoir laissé tant baisser. Alors pourquoi elle a beaucoup baissé ? Là, il y a mille et une raisons. Donc il y a un seul livre à lire. Il a été écrit par le directeur général de BPI France. Je suis ravi de lui faire sa publicité. Je n'avais pas prévu de faire ça. Et ça s'appelle « Désindustrialisation, 1995-2015, une histoire de la désindustrialisation ». Et c'est très facile à lire parce que, en fait, c'est des témoignages d'industriels. Ils racontent ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de causes. Et alors, la relocalisation, ça n'est pas la création d'une nouvelle industrie. C'est ça le petit paradoxe sur lequel je voulais insister. Relocaliser, ça voudrait dire ce qui est parti en Chine, on le ramène. Ça n'arrivera jamais. Très peu, de façon très marginale. On a sorti une étude. Toutes les études dont je parle sont disponibles sur un site, vous pouvez le noter, bpifrancelelab.fr. Vous tapez ça dans votre barre de recherche, vous tombez directement sur le site du lab. Vous rajoutez le mot délocalisation ou relocalisation, vous allez tomber directement sur cette étude. Et vous allez voir que donc, les délocalisations, ça continue encore, mais qu'aujourd'hui, il y a plus de relocalisation que de délocalisation, mais ce n'est pas des relocalisations d'activités qui sont parties. Par exemple, j'avais une pièce automobile, je la produisais en France, je la produis en Chine. Cette pièce automobile, si elle est en Chine, elle va rester en Chine. En revanche, la relocalisation, ça va être de la réindustrialisation, ça va être des activités nouvelles. Et là, on a un chiffre, hein, on a 26% des dirigeants qui déclarent ouvrir des nouveaux sites de production en France dans les 5 prochaines années. Donc la réindustrialisation, elle va se faire de cette façon-là. Merci beaucoup. On va continuer sur le thème de l'industrie en interrogeant peut-être celui d'industrie verte. On parlait d'industrie décarbonée tout à l'heure. Philippe mentionnait la question de la décarbonation de l'industrie. Donc, qu'entend-on par industrie verte ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais prendre ma casquette de co-responsable de la chaire Ville, Industrie et Transition écologique, puisque c'est le thème un des thèmes qui fédère les activités de la chaire. Et pour répondre à la question qu'est-ce que l'industrie verte, d'abord, je voudrais dire que c'est un oxymore, hein, bien sûr, parce que l'industrie, même si on veut qu'elle soit la plus propre possible, la moins impactante possible, elle va prélever des ressources,
elle va générer des pollutions, elle va avoir des aménités négatives sur l'ensemble de l'environnement. L'enjeu, c'est de contrôler aussi bien les prélèvements que les rejets. Alors, Philippe évoquait tout à l'heure la question des transferts d'activités qui se sont faits par délocalisation, certes, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'usines qui ont fermé silencieusement juste parce que ailleurs étaient produits moins chers des produits substituables. Donc, ce n'est pas M. Renault qui a transporté son usine de Boulogne-Billancourt dans la banlieue d'une mégapole chinoise. C'est juste qu'il y a eu des fermetures d'un côté, des ouvertures de l'autre. Il y a concomitance, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Ceci étant dit, la différence entre les régions du monde dans lesquelles on produit, c'est que on contrôle mieux la qualité environnementale et le bien-être social aussi dans les secteurs de production quand ils sont près en Europe que quand ils sont loin. Et donc cet argument plaide en faveur d'une réimplantation d'une activité de fabrication en France et plus globalement en Europe, parce que les exigences en matière sociale, en matière environnementale et les contrôles qui peuvent être faits sont plus stricts. Vous avez peut-être vu dans des reportages des banlieues industrielles chinoises où vous avez des sites de production qui crachent de la fumée abominablement noire et où il y a écrit ISO 14001 sur le fronton de l'entreprise. Quelle est la crédibilité du signal, si on veut parler comme un économiste, qui est émis de cette façon-là? Donc l'un des arguments en faveur de la réimplantation ou du maintien d'activités de fabrication dans des pays qui ont des exigences environnementales et sociales relativement plus élevées, c'est d'abord celle-ci, pouvoir exercer un contrôle, pouvoir inciter, pouvoir normer les modes de production. Quelle industrie ? Donc, en fait, il y a deux types d'actions qui peuvent être réalisées. Premièrement, permettre à l'industrie de faire sa transition écologique. Alors, en grande partie, ça a déjà été fait. Si on regarde les émissions de CO2 par secteur, l'industrie est le secteur qui a fait le plus d'efforts, celui où on a une baisse des émissions par unité produite. Pourquoi ? Parce que le coût de l'énergie, c'est important dans l'activité de fabrication. Si bien qu'aujourd'hui, les secteurs les plus pollueurs, ce sont le transport, le résidentiel et le tertiaire. L'industrie vient après. Donc, il faut continuer dans ce sens-là en insistant non seulement sur l'énergie, mais également sur toutes les matières premières et l'augmentation du prix des matières premières, finalement, en envoyant un signal prix, est bénéfique à cette transition écologique de l'industrie, puisque ça peut favoriser l'usage de matières premières secondaires, issus du recyclage, et ça peut également favoriser la mise en œuvre de process de production ou de nouveaux types de fabrication qui sont moins gourmands en matières premières. Donc ça, c'est le premier pilier de la réindustrialisation. Second pilier de la réindustrialisation, ce sont tous les nouveaux secteurs de la transition écologique. Donc ce que j'appelle l'industrie de la transition écologique après la transition écologique de l'industrie. Alors là, on a les marronniers habituels qu'on fait sortir depuis une quinzaine d'années, le véhicule électrique et l'hydrogène, qui n'en finissent pas d'être nouveaux et prometteurs. Mais à côté de cela, il y a énormément de choses auxquelles on peut penser, y compris low-tech. J'en veux pour preuve la fabrication de vélos qui était complètement disparue du territoire français. Et vous avez, comme moi, vu les pubs dans le métro pour des vélos made in France qui, aujourd'hui, sont produits pour une grande partie d'entre eux dans le Gers. Donc, on a un renouveau
de certaines activités industrielles. Donc, on ne produit pas les vieux vélos Peugeot d'il y a 50 ans, que j'ai eu d'ailleurs, mais ce sont d'autres vélos, et qu'on a gardés, mais ce sont d'autres vélos qui sont produits. Même chose, hein, sur la fabrication de médicaments, on a aujourd'hui des relocalisations avec d'autres modes de production, puisque là aussi c'est un secteur qui est nécessaire mais assez sale, avec d'autres normes de production qui permettent en plus de résoudre les nombreuses tensions sur le marché du médicament, puisqu'on est aujourd'hui à 3500 produits qui sont soit en rupture, soit en tension. On a atteint un pic en matière de tension sur le marché du médicament. Donc voilà un petit peu les deux formes principales de retour de l'industrie, avec une transformation et cette bifurcation vers un modèle plus écologique que tout le monde presque appelle de ses voeux. Merci beaucoup. Alors on peut noter, parce que ça a été en filigrane mentionné par Nadine à la fin de l'intervention, c'est qu'on a aussi des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire que là, avec l'exemple du médicament, on a le problème d'être dépendant de fournisseurs pour la fabrication des médicaments. Peut-être juste un quart de réaction sur la question de la souveraineté, Philippe. Tiens, toujours des chiffres, moi. Quand on passe la parole, je donne un chiffre. Vous avez probablement entendu parler de la relance du programme de nucléaire. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous sont contre pour des raisons autres. Mais ce programme, il a été lancé. C'est des dizaines de milliers d'emplois industriels. Et ce n'est pas que la personne qui va s'occuper de l'énergie atomique. C'est toute une chaîne de production derrière. Il faut des aciers spéciaux, il faut du BTP, il faut des machines. Voilà. Donc, on est sur un enjeu de souveraineté qui est d'avoir une énergie décarbonée, de ne pas être dépendant de l'achat de gaz, et surtout s'il est russe, donc il est là l'enjeu de souveraineté. Bien évidemment, il y a des nécessités derrière aujourd'hui de réindustrialisation qui sont extrêmement fortes. Et on pourrait balayer, en fait, dans chaque filière industrielle, dans chaque secteur de l'économie, on se rend compte que les questions de géopolitique sont de plus en plus importantes. Donc personne n'avait anticipé, enfin peu de gens, très peu en fait, avaient anticipé la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a découvert qu'en Ukraine, il y avait des productions industrielles très sensibles, hein, notamment des engrais pour l'agriculture. Ça fait partie de l'industrie, c'est l'industrie chimique, mais ça fait quand même partie de l'industrie. Il est question, vous lisez probablement les journaux, qu'il y ait des tensions entre la Chine et les États-Unis. Peut-être qu'un jour, il y aura un conflit sur Taïwan. Peut-être qu'un jour, les États-Unis diront, en fait, nous ne voulons plus travailler avec la Chine et nous interdisons à tous nos partenaires commerciaux dans le monde, c'est qui ? C'est l'Europe, de travailler avec la Chine. Qu'est-ce qui se passera à ce moment-là pour les industries françaises qui font fabriquer leurs produits en Chine ? Voilà, ça, c'est des questions de souveraineté qu'on est obligé de se poser aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais c'est la politique du pire, tout ça ne va peut-être pas se produire. Oui, peut-être, et on espère que ça ne va pas se produire. Mais il faut envisager des scénarios qui sont moins favorables que ceux qu'on a connus sur les 30 dernières années, qui étaient dans un monde où on pensait que la mondialisation était la solution à tous les problèmes, que ça permettait un enrichissement collectif de toute la planète, ce qui a eu lieu quand on mesure certains indicateurs, mais avec des effets aussi négatifs qu'on a suffisamment soulignés. Alors, oui, et en plus, la transition écologique va être source de tension sur la souveraineté. Vous savez qu'elle mobilise beaucoup de terres et métaux rares et qu'il y a actuellement des combats économiques sur ces terres rares et ces métaux rares qui sont nécessaires à tout ce qui concerne la communication. Et dans un monde d'objets connectés, alors après on pourrait digresser, hein, les blockchains pour l'environnement, bon, moi je suis assez sceptique, mais il y a toute une série de facteurs qui vont accroître les tensions sur ces métaux-là, et il n'y en a pas en Europe. Donc en termes de géopolitique, il va aussi y avoir des questions à se poser à ce niveau-là. J'ai une question de provocation pour la salle. Qui a déjà utilisé ChatGPT ? Voilà. Est-ce que vous savez, beaucoup, quasiment la moitié, hein, pour ceux qui nous regardent à distance, est-ce que vous savez combien il a fallu d'électricité pour entraîner ChatGPT pendant un an, pour qu'il soit aussi performant ?
C'est une centrale nucléaire dédiée juste à l'entraînement de ChatGPT. Je ne sais pas si... C'est énorme. Donc, ces enjeux, le digital, je rebondis sur le propos de Nadine, derrière le digital, il y a plein de questions de souveraineté, des questions des métaux rares, des questions d'énergie. Alors, on était sur les enjeux de transition écologique, donc on va continuer avec la deuxième question, à moins qu'il y ait une petite réaction dans la salle, mais comme le temps a passé, je vais peut-être donner la parole un peu plus tard. Une question. Oui, j'étais un peu sidérée de... Alors, je dois dire, je n'ai pas lu le paraît-il excellent livre de Nicolas Dufourcq. Donc, c'est sans doute... Ça m'étonnerait que ça ne soit pas déjà dedans, ce que je veux dire. C'est que votre recommandation de faire, de créer de l'industrialisation, parce que chez nous, parce que c'est justement là qu'on peut mieux contrôler, mieux réguler, mieux encadrer, c'est justement ça, par rapport à ce qui est importé, c'est exactement ça qui a désindustrialisé la France, ce que vous dites. C'est-à-dire que vous êtes en train de... Moi, j'ai une amie qui est une des rares industries du jouet de A à Z, et ce qu'elle m'a raconté, c'est, je veux dire, il y a de quoi faire un nouveau livre de Nicolas Dufourcq, c'est-à-dire de dissuader, c'est-à-dire la passoire pour tout ce qui est anti-environnemental, alors on va dire l'antisocial, etc., mais là, je vais parler comme à la radio, si j'ose dire, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire un kafkaïen pour les malheureux industriels qui essayent de faire des choses dans les normes, et vous êtes en train de dire, on va continuer à matraquer ceux qui sont sous le réverbère, mais... Je veux dire, si elle avait entendu ça, je ne sais pas, ça serait dangereux pour vous, parce que toute la journée, elle doit régler ces problèmes-là, alors qu'elle emploie, alors qu'elle fait des magnifiques produits made in France, et elle est particulièrement persécutée, alors que ses concurrents, ça passe comme une lettre à la poste. Alors, moi, je veux bien, je ne connais pas votre amie, elle est certainement en souffrance par rapport à la charge administrative qui pèse sur elle. Je n'en disconviens pas. Ce qui a tué l'industrie française, ce sont peut-être les réglementations, mais elles existent en Allemagne aussi. Hein. Voilà. Ne croyez pas que les autres pays européens soient épargnés par la complexité administrative. Allez faire votre déclaration même d'impôt, enfin de revenus, même en tant que particulier en Allemagne, et on en reparlera. Donc, la question de la réglementation... Nulle part, elle est le facteur unique suffisant à expliquer la baisse inégalée dans aucun pays d'Europe, la baisse de l'industrie à laquelle on a assisté en France. D'accord ? La France a désindustrialisé parce que les entreprises françaises n'ont pas investi dans leur outil de production, premièrement. Deuxièmement, parce qu'il y a eu un discours de la tertiarisation triomphante qui n'était pas porté par des inconnus, qui était porté par un gouvernement qui avait renoncé à faire des politiques industrielles, par des entrepreneurs, je vous rappelle le gimmick de Serge Tchuruk, une France sans usine, une usine sans salariés. Ce n'était pas l'administration française qui disait ça. Donc, la réglementation, la qualité, ce ne sont pas les ennemis de l'industrie, ce ne sont pas les ennemis des entreprises. Au contraire, dirais-je, ce sont des éléments qui permettent la différenciation des produits et d'entrer en compétition non pas sur la baisse des coûts, mais sur l'augmentation de la qualité et de l'innovation. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les outils de protection type mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou les projets d'intérêt important collectif européen, je ne sais jamais dans quel sens il faut le dire, ça fait partie des éléments qui visent justement à augmenter cette différenciation. Ça ne va pas assez loin et c'est réclamé par les industriels européens et j'espère par votre ami aussi. Juste un petit mot de complément. Oui, puis on va passer à la deuxième question. C'est ça, c'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire. La question d'ailleurs, c'est l'égalité de concurrence. Mais de notre point de vue, ça change. Parce que Nadine a cité le MACF.
C'est un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières que l'Europe est en train de mettre en place, justement pour pénaliser les entreprises qui ne jouent pas le jeu en dehors de l'Europe et pour les taxer au moment où les produits sont importés. Et je voudrais juste poser une question aussi dans la salle. On va enchaîner vraiment parce qu'on a encore deux autres questions. Qui a envie d'aller travailler dans l'industrie ? Oui, c'est ça. Et les jeunes, vous n'avez pas envie d'aller travailler dans l'industrie ? Voilà, la cause de la désindustrialisation, comme vous disiez, Nadine, elle est là. Eh bien, je peux vous dire que vous vous trompez. Mais vraiment, d'abord, vous gagnerez beaucoup d'argent, vous aurez des métiers passionnants, et vous aurez l'impression de contribuer à sauver la planète. Et ce ne sera pas qu'une impression. Merci beaucoup. On passe tout de suite à la deuxième question, donc, qui est la question de la transition écologique. Et allons un peu plus loin sur les stratégies des entreprises en matière de transition écologique, hein, bien qu'on l'ait déjà évoqué. Il y a une récente étude de BPI France sur ce sujet. Et on parlera aussi des nouveaux modèles productifs pour approfondir la discussion qu'on vient d'avoir. Alors, je ne vais pas vous présenter la totalité de l'étude. Elle est sortie hier. Donc, c'est une étude, c'est une enquête auprès des PME et ETI dont je parlais tout à l'heure. Et on leur a demandé où est-ce qu'ils en étaient dans leurs engagements climatiques, en fait. Et le titre de l'étude, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt des petits pas. Donc, le degré de conscience des dirigeants d'entreprise, il est très élevé. Ils sont à 85% favorables à la lutte contre le réchauffement climatique. Et ils ont envie d'y contribuer. Et on mesure, en fait, l'évolution de l'opinion des chefs d'entreprise depuis 2020. Et on voit une évolution très forte. Mais simplement, ce que je peux dire, et en vraiment très, très synthétique, c'est que jusqu'à présent, leurs actions, c'était surtout, par exemple, acheter des dispositifs pour éteindre automatiquement la lumière dans les bureaux, pour réduire la climatisation, de remplacer des ampoules par des LED. Voilà. C'est vrai que ça agit sur le climat, ça va dans le bon sens, mais nous, c'est ce qu'on appelle des petits pas. Ou alors, il y avait, par exemple, le pilotage d'un système de tri de déchets. En général, quand une PME commence à s'occuper des questions environnementales, il commence par le plus simple, le plus facile et le moins coûteux. L'achat d'équipements plus performants, c'est-à-dire qui consomment moins d'électricité ou moins de pétrole, ne venait qu'en troisième position. Et puis, ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est-à-dire on va complètement changer la façon dont le produit est fait, mais on va jusqu'à la conception. C'est-à-dire qu'on va remplacer un objet qui aujourd'hui est fait en plastique par un objet qui est fait, par exemple, en tissu. Donc on est dans une éco-conception. Le bilan carbone, vous imaginez, n'est pas du tout le même. Le bilan matière, l'utilisation de l'eau, enfin, toutes ces questions-là sont complètement différentes. Et ça, ça venait en avant-dernier. Et ce qu'on voit dans cette étude qui est très intéressant, c'est que dans le passé, les 5 dernières années, c'était des petits pas, donc les ampoules électriques, le tri du déchet. Et dans les cinq prochaines années, on va passer enfin au virage stratégique. Donc c'est un message qui est plutôt très positif. Et par exemple, ma fameuse éco-conception dont je viens de parler, elle était avant-dernière sur 10, elle passe en deuxième position. Donc on est au moment d'un grand virage stratégique sur l'industrie verte et la conciliation entre le développement économique et la protection de la planète. Merci beaucoup pour ces exemples, effectivement, d'évolution des pratiques. La transition écologique, ça passe aussi par des nouveaux modèles économiques, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi une équation économique dans ces enjeux. Je veux dire, l'énergie est plus chère, il faut arriver à résoudre cette équation économique. Et donc, quel type de nouveaux modèles émergent pour favoriser la transition écologique ? Oui, c'est vraiment une grande question, parce que, comme vient de le dire Philippe, ce qui a été fait jusqu'à présent, ce sont des petits pas. Alors, les économistes de l'innovation vous diront, ce sont des innovations incrémentales. On change des bricoles, on ajoute des technologies de bout de tuyau. Mais on ne modifie pas en profondeur le modèle productif. Et on voit que les entreprises ont beaucoup de mal à changer la façon dont elles fonctionnent. Même les lois ont du mal à les faire changer. On est en train de finaliser un travail d'analyse des rapports des entreprises du CAC 40 depuis la loi sur les nouvelles régulations économiques en 2001. Alors on utilise l'intelligence artificielle parce que ça fait des pages et des pages de documents. Et quand on regarde les lois qui sont promulguées et les
des rapports RSE des entreprises. En fait, ça ne change rien, sauf sur un point, le devoir de vigilance. Là, c'est une loi qui a marché. Mais sur les autres, c'est du business as usual. Donc, il faut vraiment amener les entreprises à changer. Et on voit que c'est difficile parce que même les grosses frayeurs qu'on a eues l'hiver dernier avec les menaces de coupure d'électricité, avec la hausse énorme du prix du kilowattheure pour l'électricité, en fait, n'a pas amené les entreprises à changer de modèle. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont baissé le chauffage, elles ont éteint les lumières, mais dès que le kilowattheure va baisser, ben qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont remettre les températures antérieures et c'est quand leur système d'éclairage automatique ne fonctionnera plus, ben, ce ne sera pas grave. Donc, la question, c'est comment on fait changer le modèle entrepreneurial. Et là, c'est très compliqué parce qu'on passe d'une fonction de production, Y égale F de KL, hein, si vous voulez, avec un certain niveau technologique, à une autre fonction de production. Et entre les deux, l'autre fonction de production étant la fonction de production idéale, et entre les deux, il y a quoi ? Il y a de l'incertitude. Et les entreprises, comme tout le monde, mais les entreprises en particulier, ont horreur de l'incertitude. Donc, il y a deux façons de les amener à changer. Soit on les incite, c'est ce qu'essaient de faire les pouvoirs publics avec le marché du carbone, par exemple. Et ça ne marche pas super bien, hein, parce que le prix de la tonne de carbone est trop bon marché pour que les entreprises soient vraiment pénalisées par leurs émissions. Et puis, il y a ce que l'on appelle les fuites de carbone. Ah ben, si le carbone est un peu plus cher en Europe, ah ben, on va aller en Chine. Il n'y a pas de marché de carbone. On va aller en Inde. Donc, voilà. Donc, ça fait des risques de délocalisation en plus. Première méthode. Deuxième méthode, pour trouver un autre système entrepreneurial, ben, les pousser un petit peu plus avec des normes, des règles et surtout de l'accompagnement. L'accompagnement, ça veut dire des moyens financiers, parce qu'un investissement de moindre pollution, un investissement pour décarboner, pour filtrer, pour limiter les rejets, ben, ça a un coût. Et la récupération, le temps de retour de ces investissements est relativement long. Donc, il faut les aider, les soutenir financièrement pour les aider à entreprendre ces éco-investissements. On peut les aider ou les pousser en disant, bon, ben, si vous voulez des aides, il faut que vous vous engagiez à réaliser ces éco-investissements. Par exemple, là, on vient de dépenser 10 milliards de suppression de la contribution sur la valeur ajoutée de l'entreprise, en contrepartie de rien. On aurait pu dire, eh bien, seules les entreprises qui réalisent des éco-investissements auront droit à une diminution de la contribution sur leur valeur ajoutée. Ça aurait été une possibilité. Ce n'est pas le choix qui a été fait. L'autre manière, c'est l'accompagnement. Laisser les entreprises seules face à un tel défi, surtout les PME qui ne sont pas outillées humainement, ce n'est pas possible. Et là, donc, il y a des organismes qui travaillent dans ce sens-là, l'ADEME, des cabinets privés. Il y a un accompagnement financier pour accéder à des services qui est fait par BPI France, par les régions. Et donc, cette transformation, maintenant, elle est urgente. Et plus le temps passe, plus elle sera urgente. Donc, tous les jours qui passent, j'ai envie de dire, qui retardent l'entrée dans ce nouveau modèle entrepreneurial, pénalisent les entreprises françaises, y compris sur le marché international. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres pays qui sont en train de le faire. Et ne pas investir dans l'écologie, mais pas seulement énergétique, mais matière, etc., c'est aussi perdre à terme de la compétitivité sur les marchés internationaux. Je dirais juste un petit mot de complément, qui est que tout le monde est responsable pour aider les entreprises à être plus en adéquation avec les enjeux climatiques. Le consommateur doit aussi payer. Et donc là aussi, chacun doit penser, dans tous ces actes d'achat de la vie quotidienne, dans toutes ces actions de consommation, à qu'est-ce que j'achète, en fait ? Vous avez probablement tous vu, dans des enseignes que je ne citerai pas, le tout à 1 euro.
Vous allez dans un magasin, puis tout est à 1 €. Vous avez des lampes électriques, vous avez des tournevis, des kits de je sais pas quoi, de bricolage et tout. Tout est à 1 €. N'imaginez pas que vous faites une bonne action pour la planète si vous achetez ce genre de produits. D'abord, ils ne sont pas produits en France, et d'une. Ils sont produits dans des conditions écologiques catastrophiques. Donc, il y a un moment, et d'ailleurs, les chefs d'entreprise et sociales, on le sait par exemple pour les baskets qui sont fabriquées, enfin, il y a eu des scandales sur la fabrication de baskets par des enfants, et ça continue tout ça. Les chefs d'entreprise, quand on leur pose la question, on nous dit oui, moi je veux bien changer mon équation économique, hein, l'équation économique dont parlait Nadine. Mais à 75%, ils disent ça va coûter plus cher. Qui va payer ? Donc le chef d'entreprise, il va investir. S'il investit, ça veut dire qu'il veut un rendement de son investissement. S'il ne vend pas de produits derrière, il perd tout, il ferme l'entreprise. Donc il faut qu'il y ait des clients derrière. Et là, il y a, je pense, un acte de conscience collective que nous devons tous avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chefs d'entreprise qui doivent être exemplaires, c'est tout le monde. Donc l'écosystème qui les accompagne, évidemment, les banquiers, les financiers, etc. Mais aussi tous les consommateurs. Et il faut accepter de payer plus cher le produit à la fin. Merci infiniment. Et puis on va maintenant passer à la troisième question et après on pourra engager un débat. Ce qu'on n'a pas forcément bien évoqué jusqu'à maintenant, mais c'est un peu sous-jacent à tout ce qui a été développé, c'est la place des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise qui effectue sa stratégie de transition écologique va être plus ancrée dans le territoire, sera plus articulée avec les ressources du territoire. Et donc, peut-être quelques mots sur cette question de la place du territoire dans la transition écologique des entreprises. Alors, je peux commencer. Voilà. Mais on s'était un peu préparé comme ça. Je ne peux pas vous parler de tout et vous allez voir que Nadine a une approche beaucoup plus précise et scientifique. Moi, je vais juste vous donner un exemple qu'on a travaillé très récemment à BPI France, qui est l'exemple du textile. L'exemple du textile, si je vous demande, c'est quoi pour vous le textile ? Bon, la majorité des gens répondent, c'est une chaussette, c'est une cravate, c'est un costume, un t-shirt. Le textile, ça n'est plus ça. Enfin, plutôt, c'est toujours ça. Mais ce textile-là, il n'est plus fabriqué en France. Donc ça, c'est la fameuse désindustrialisation dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a quasiment plus d'industrie textile pour les vêtements en France. Ce qui va rester, c'est tout petit segment qui est le luxe, qui est quand même pèse beaucoup dans le PIB. Hein. Mais voilà, c'est loin de couvrir tous les usages du textile. Le textile qu'on porte tous sur nous aujourd'hui, il vient d'Asie. Pas que de Chine d'ailleurs, mais de tous les pays asiatiques. Là, il y a une première idée qu'il faut avoir en tête, c'est que ces vêtements qui sont produits à l'autre bout de la planète, on ne pourra pas les faire revenir en France. Repensez à ce que je vous disais tout à l'heure sur les relocalisations, pour deux raisons. D'abord parce que c'est toujours moins cher de les produire là-bas, et puis surtout parce qu'il ne faudrait pas penser que c'est de la mauvaise qualité. Ces industries asiatiques du textile sont aujourd'hui plus performantes que celles qu'on avait en France quand elles sont parties, quand elles ont fermé. Pourquoi ? En partie d'ailleurs, parce qu'on leur a vendu des machines-outils, des métiers à tisser, les Allemands, les Italiens ont vendu à ces pays asiatiques des machines hyper performantes. Donc c'est des très beaux textiles. Le textile qui est en train de revenir en France, il est différent. C'est un textile, ce n'est pas une chaussette, un vêtement, c'est un composant. Un composant, ça veut dire c'est un bout d'un produit plus large. Par exemple, on fait en matière textile maintenant des tableaux de bord de voitures. Ça va remplacer le plastique dans les voitures. On met du textile dans les smartphones. Vous en avez dans vos smartphones. Vous avez des petites pièces de textile à la place de carbone ou, encore une fois, de silicium ou de plastique. On en met dans les avions à la place du carbone aussi. Les usages du textile, en fait, quand on le voit comme une matière, c'est un champ infini de nouvelles possibilités de produire du textile. Et c'est du textile qui consomme très peu d'eau, très peu d'énergie. Je vous donne un autre exemple. Quand on fait un coffrage en béton pour les travaux publics, pour tenir le béton quand il est humide, on fait un coffrage. La plupart du temps, sur les grands chantiers, c'est de l'acier. L'acier, c'est très carboné, c'est très lourd à transporter. Donc, ce n'est pas du tout bon pour la planète. Vous pouvez mettre à la place de coques en acier, vous mettez des chaussettes, là pour le coup, ça s'appelle des chaussettes aussi, en textile. Ça ne pèse rien. C'est très peu intensif en carbone au moment de la production. Et donc, c'est beaucoup plus performant, c'est plus souple, enfin, c'est réutilisable. Il y a plein d'avantages. Quand vous voyez ce textile-là, et après j'en viens à la question des territoires, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces nouvelles industries textiles,
elles sont rentables en France, c'est ce qu'on va appeler des industries de niche, et elles sont localisées dans des territoires. Pensez pas que c'est dans les grandes villes qu'on va les trouver. On va les trouver dans des tout petites villes, dans des bassins d'emploi, qui d'ailleurs étaient souvent des bassins textiles du 19e siècle. Là, il y a une continuité dans l'histoire industrielle qui est très intéressante. Vous avez un territoire industriel au 19e, très puissant. Au 20e, il se réduit, il disparaît, et au 21e siècle, il renaît au même endroit. Voilà, donc il y a un rapport au territoire par rapport à l'industrie qui est très fort. Et je passe la parole à Nadine, qui le dira encore mieux que moi. Merci beaucoup, effectivement, sur la place des territoires. Je signale simplement qu'à la sortie de la session est disponible un cahier de recherche donc rédigé par Nadine et Gilles Krag sur industrie et territoire, deux piliers indissociables de la transition écologique. Donc, effectivement, comment intervient le territoire dans la transition écologique? D'abord, les usines ne flottent pas dans les airs. Hein. On produit quelque part. Donc, d'ailleurs, ce ne sont pas des activités télétravaillables. Souvent, on ne produit pas des Airbus en télétravail. Donc, il y a un ancrage au terrain qui est consubstantiel à l'industrie et d'ailleurs qui pose des questions en termes d'utilisation du foncier, aussi des conflits d'usage. Hein, quand il y a des résidents, on n'aime pas avoir une usine près de chez soi. Mais bon, imaginons que les règlements d'urbanisme aient résolu tout cela, que le zéro artificialisation nette des sols qui aujourd'hui s'applique en France ait trouvé une solution satisfaisante. Quel est l'intérêt d'avoir des industries ancrées localement? Premier intérêt, c'est qu'une entreprise qui a des liens avec ses voisines est beaucoup moins mobile qu'une entreprise qui a ses clients et ses fournisseurs à l'autre bout de la planète. Donc c'est ce qu'on appelle la notion d'écosystème de production qui est ancré sur un territoire et qui va faciliter l'investissement de l'entreprise sur son terrain et donc elle va restituer au territoire une partie des ressources qu'elle prélève, ne serait-ce que la main-d'œuvre, les services publics, etc. Mais il y a d'autres éléments qui viennent plaider en faveur de ce lien entre l'entreprise et le territoire qui sont à chercher autour de deux notions, proximité, circularité. Proximité, il est aujourd'hui, j'ai rappelé tout à l'heure dans le premier temps, il est aujourd'hui connu que les transports, dont les transports de marchandises, font partie des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Plus vous êtes près de vos clients, plus vous êtes près de vos fournisseurs, plus vous êtes exemplaire d'un point de vue écologique, puisque ces coûts de transport vont être en partie évités. Donc ça, c'est le premier bénéfice direct. Deuxième bénéfice, en favorisant la proximité et les circuits courts, ce n'est pas alternatif, il faut les deux, on intensifie les relations entre les clients et les fournisseurs sur un territoire. Et donc, on va favoriser des formes de spécialisation ou de smart spécialisation quand il y a plusieurs activités différentes qui sont liées, qui vont permettre au territoire de devenir de plus en plus attractif pour des entreprises qui gravitent autour de l'activité principale. Donc les effets induits de l'industrie vont se faire sentir. Et si on combine proximité, circuit court et densification des relations d'achat-vente, on a enfin un autre élément qui va être porté par le territoire, c'est que au lieu d'avoir des territoires qui vont essayer d'entrer en concurrence les uns avec les autres en attirant des entreprises étrangères à grands coups de subventions, ces entreprises qui vont être hyper mobiles, vous avez tous vu les images de Bridgestone qui ferme dans le nord
et qui suscite le débarquement de ministres qui tempêtent en disant « mais on vous a aidé à venir ici et maintenant vous mettez la clé sous la porte pour partir au Maroc, en Inde et je ne sais plus où », si vous ancrez les entreprises territorialement, vous allez aussi protéger en partie les emplois qui sont générés par ces entreprises. C'est pour ça que on a changé de braquet pour les politiques industrielles et dans la foulée de ce que les économistes de la géographie, comme, alors je cite des grands noms, j'espère que vous les connaissez, sinon allez voir ce qu'ils font, Michael Storper d'un côté ou Andrés Rodríguez Pous à la London School of Economics de l'autre, proposent, c'est dans l'Europe qui s'est désindustrialisée, c'est créer ce qu'on appelle la géographie du mécontentement. Cette géographie du mécontentement qui s'est illustrée par le mouvement des Gilets jaunes en France, mais il y en a d'autres similaires ailleurs, est le produit de la désindustrialisation d'une partie de l'Europe. C'est pourquoi les politiques industrielles territorialement ancrées ont désormais le vent en poupe. Et par exemple, en France, il y a un programme qui s'appelle le programme Territoire d'industrie, vise à rapprocher l'industrie des territoires. Alors, c'est un programme qui est intéressant parce qu'il est à la fois national et local. Le national a une vue globale sur tous les territoires d'industrie, ce qui permet d'éviter qu'il y ait la duplication de deux mêmes projets en des endroits différents, ce qui ne serait pas rationnel. Mais ce sont les élus locaux et les entrepreneurs locaux qui portent les projets industriels. Et ces programmes territorialement ancrés ont plusieurs avantages. L'avantage écologique, comme on le voyait tout à l'heure, l'avantage de l'emploi aussi, et puis ils luttent contre la désindustrialisation qui est coûteuse en termes de balance commerciale, souveraineté économique, emploi, etc. On a listé tout ça tout à l'heure. Donc, le territoire, maintenant, est vraiment vu comme le réceptacle de l'industrie. Et de quelle industrie? L'industrie de la transition, comme on disait tout à l'heure, puisque quand on regarde entre la différence entre le début du programme Territoire d'industrie en 2018, il y avait à peu près 7-8% des projets qui étaient de type éco-industriel. Et le programme Territoire d'industrie, aujourd'hui, où il y a près de 30% des projets qui portent sur l'éco-industrie, bien, c'est la preuve qu'il y a vraiment une transformation des besoins, des attentes et des totems industriels qui sont portés par les territoires. Donc, bosser dans l'industrie, il va y avoir plein d'emplois et de bonne qualité, bien payés, qui seront à la clé prochainement. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes. On a peut-être la possibilité de prendre une ou deux questions. Donc, je vois deux doigts qui se lèvent. On va les prendre l'une après l'autre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, j'ai été surpris tout à l'heure d'entendre que pour justifier la volonté de relocalisation, on aurait découvert que les conditions sociales et environnementales dans les pays où on a décollé ne seraient pas respectées dans les pays où on a délocalisé. Or, c'est précisément pour ça qu'on a délocalisé là-bas. Donc, je trouve un peu curieux d'avancer cet argument comme si on avait découvert ça aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles on veut relocaliser, vous les avez cités plus ou moins durant la conférence, donc c'est le besoin de restaurer une souveraineté, c'est restaurer la balance commerciale, créer de la richesse, créer des emplois. Voilà, donc ensuite, la deuxième remarque que je souhaite faire, vous avez semblé limiter tout à l'heure la volonté de relocaliser en France aux industries non polluantes. Pourquoi se limiter à celle-là? Je veux dire, le fait de laisser une usine en Chine, ça ne supprime pas la pollution. Or, les objectifs que l'on poursuit de souveraineté, de balance commerciale, etc., concernent aussi des industries polluantes. Voilà. Et puis la dernière remarque, vous avez fait le petit sondage tout à l'heure sur les jeunes. C'est effectivement dramatique que personne ne s'intéresse à l'industrie en France. Et tout à l'heure, vous avez rapidement évoqué le fait que pour le textile, ce sont des machines-outils allemandes et italiennes. On trouve ça dans toutes les filières françaises. J'ai eu l'occasion de visiter
un moulin pour fabriquer de la farine, pour faire du pain bien français. Quand on étudie la filière de prix, on voit à quel point on est dépendant des engrais qui viennent de Russie ou d'Ukraine, du blé bio qui vient d'Allemagne ou de Hongrie, et de toutes les machines qui servent à faire la farine, qui sont soit suisses, alémaniques, soit allemandes. De français dans une baguette de pain, il ne reste plus grand-chose. Voilà. Merci beaucoup. On prend la deuxième question en même temps, et puis on y répond. Oui, merci d'abord pour cette très intéressant débat. Peut-être deux points. Un sur les objectifs, l'autre sur les moyens. Les objectifs, l'objectif, c'est la transition écologique. Transition écologique, ça renvoie en gros aux 9 limites planétaires. Donc ça va bien au-delà de la question du climat. On peut considérer aujourd'hui qu'il y a 2 grands indicateurs qui permettent de savoir si on est dans la bonne voie. Ils sont dans la loi, ça tombe bien. Le zéro émission net et le zéro artificialisation net. Au regard de ces 2 objectifs, il est clair que on a beaucoup parlé de l'industrie automobile, on a beaucoup parlé du bâtiment, 2 secteurs qui sont transport et résidentiel à forte émission. C'est aussi 2 secteurs qui ont un impact particulièrement important sur l'artificialisation des terres. En gros, les 2/3 ou les 3/4, c'est l'habitat individuel et les réseaux d'infrastructures routières, notamment locales. Donc par rapport à ça, ça veut dire que, imaginez, si on regarde le modèle économique auquel ça correspond, donc le modèle productif, imaginez qu'on puisse construire autant de voitures qu'aujourd'hui et construire autant de bâtiments qu'aujourd'hui pour atteindre ces 2 objectifs, c'est totalement irréaliste. Donc ça veut dire que si on ne pose pas un certain nombre de contraintes aux industriels, notamment pour qu'au lieu de construire des voitures aussi lourdes, aussi grosses qu'ils le font depuis des décennies, construire des petites voitures en nombre beaucoup plus réduit et être beaucoup plus, par exemple, sur les moyens de transport collectif, ça, c'est une orientation. Et si on ne donne pas ce type d'orientation aux industriels, si on ne dit pas aussi qu'en matière de matériaux de construction, il y en aura beaucoup moins, c'est pareil, on ira dans le mur. Donc, je pense que encore une fois, à chaque fois, quand on parle généralement d'objectifs, on ne parle que du climat, il y en a d'autres. Et quand on parle des moyens, ça veut dire aussi la quantité et la qualité. Merci beaucoup. C'est vrai que la question des ressources a été évoquée. Alors, on ne pouvait pas parler de tout, hein, mais vous avez tout à fait raison. On donne la parole pour répondre. La rapidité de nos débats nous empêche d'être dans la nuance. Donc, je vous rassure, nous ne découvrons pas ce que vous avez dit sur c'est des industries polluantes. Donc, on est en fait parfaitement d'accord. Et ça, c'est un point sur lequel je souhaiterais rebondir, parce que c'est un problème aussi qu'on a dans l'économie française. Donc, le problème soulevé par monsieur, c'est ce qui est produit en Chine est très polluant. Donc, si on laisse la production en Chine et qu'on ne produit pas en Europe, de la pollution pour la planète, ce n'est pas bon. En Europe, on dit c'est bon, on a baissé notre bilan carbone, mais en fait, ça continue d'être produit en Chine. Mais on a ce même problème-là en Europe, qui est qu'on a des industries aujourd'hui qui ne sont pas toutes aux normes. On n'est pas encore au net carbone zéro, comme le dit monsieur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces industries-là? Et ça, c'est un vrai problème pour les financiers, pour les banques, à qui on va dire, mais c'est pas bien, il ne faut pas financer Total. Bah, ça pollue Total. Donc, Total, et puis après, vous faites des exclusions sur plein d'industries polluantes, l'acier, etc. Et à la fin, on a un portefeuille où les banques, c'est facile, on a tout verdi. On n'a plus rien qui pollue dans notre portefeuille. Ça veut dire que c'est la liste de tous les crédits qu'on fait à l'économie. Et pour autant, est-ce qu'on a servi la cause de la planète? Absolument pas. Donc ce qu'il faut, c'est accompagner, financer la transition. Ce qui est un peu ce que souligne monsieur. Je rebondissais sur votre propos pour dire ça. C'est un peu ce que dit monsieur, si Nadine, vous souhaitez lui répondre. Oui, deux petits points. Premièrement, vous avez raison, aujourd'hui les émissions importées pèsent davantage que les émissions produites localement. Donc on a bien un transfert de pollution et comme le disent à très mauvais escient les climato-sceptiques, ça ne sert à rien qu'on pollue moins chez nous puisque de toute façon les autres pollueront quand même. Donc la solution n'est évidemment pas celle-là, c'est de faire monter les exigences. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières va dans ce sens, pas assez loin du tout puisqu'il porte que sur les produits bruts au lieu de porter sur les produits semi-finis et les produits finis. Donc il accentue encore les distorsions de concurrence en l'état. Bon, il va falloir que les Européens comprennent qu'il faut aller un petit peu plus loin, ça, j'espère que ça va venir. Mais voilà, c'est le mécanisme est initié. Donc ça, c'est une chose. Et plus les exigences aux frontières européennes seront élevées,
plus l'incitation à produire localement sera forte. Sur tout le reste, sur les ressources, etc., il est évident qu'on ne pourra pas s'en sortir sans orientation de politique industrielle claire qui font actuellement défaut. L'exemple que vous avez pris sur la mobilité est vraiment évocateur parce que on nous rebat les oreilles, je suis gentille, avec les SUV électriques, mais le SUV le plus électrique du monde produira toujours plus qu'une d'émission, sera toujours plus polluant qu'une petite voiture thermique. Donc c'est pour cela qu'il faut des normes de poids, de contenant. Et d'ailleurs, sur le véhicule électrique, les Chinois sont beaucoup plus exigeants que les Européens, puisque tous les ans, ils posent des contraintes supplémentaires à leurs producteurs, notamment en matière de poids des véhicules, parce que c'est moins de matière. Et donc, là aussi, si on ne bouge pas, il y aura encore plus de distorsions de concurrence et on sera perdant. On pourrait multiplier les exemples. Et pour boucler sur le cas du textile, il y a aujourd'hui concurrence entre deux modèles pour le vêtement de base. La fast fashion, le t-shirt à 3 euros qu'on met 3 fois, voire pas du tout, et qui va partir à la poubelle ou sur Vinted, qui n'est pas plus écolo que ça, ou alors la réparabilité des textiles. Et vous avez des jeans, alors les 1039 ou 1180, enfin ça commence par 1000, qui sont des jeans réparables, et qui sont faits en France, ou en tout cas à moins de 1000 et quelques kilomètres, d'où le nom de la marque. Et là, c'est un autre modèle de production. Mais ça nécessite aussi l'engagement du consommateur dont parlait Philippe tout à l'heure. Soit vous avez 3 jeans qui sont produits dans des conditions très sales, dans un produit lointain, avec des salariés mal payés et... c'est un choix de consommation, soit vous n'en avez qu'un que vous allez entretenir et renouveler. Mais là, c'est de l'éducation aussi du consommateur. Bon, et on compte sur vous. Merci beaucoup. Effectivement, ça débouche sur le fait que la transition se fera aussi par des changements de pratiques, voire des changements de modèles. Mais ce serait très très long d'en parler. En tout cas, un grand merci à Nadine Livrato, Philippe Meutrissi, et merci à vous pour votre attention et vos questions.